Salut les gars, aujourd'hui une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, on va parler camouflage, on va vous montrer différents matériels, différentes techniques de camouflage, ensuite on fera des petits exercices pour se cacher avec de la recherche, ça va être bien, c'est parti. Hop les gars, avant de démarrer, je remercie Terran qui nous aide sur cette vidéo et qui nous a envoyé un peu de matériel. Donc ils nous ont envoyé des choses que vous allez voir plus tard dans la vidéo, comme cette guilie désertique. Ils nous ont aussi envoyé du maquillage qui va vous faire beaucoup rire parce qu'on l'a utilisé, du coup on va vous montrer les techniques et les différentes choses, c'est très intéressant. Ils nous ont aussi envoyé une guilie qui est encore neuve et qu'on devait faire pour vous montrer comment fabriquer une guilie. Sauf que la vidéo était déjà trop longue, donc on n'a pas fabriqué la guilie dans cette vidéo. Mais vous allez quand même comprendre beaucoup de principes de base et vous la reverrez dans d'autres vidéos ultérieures. Et ils nous ont aussi envoyé ce super drag bag qui sert à transporter la rugueur que vous verrez aussi bientôt en vidéo. Donc du matériel que vous allez revoir assez souvent. On les remercie et on passe à la vidéo. Tac, c'est boud. Tu dis si on te fait chier. Hein. Bon les gars, pour démarrer, on va vous parler un peu du coup des grandes lignes du camouflage. Donc on est avec un expert en la matière, anonyme pour aujourd'hui, qui va nous parler un peu de tout ce qu'il faut savoir en fait, parce que nous, il faut savoir qu'on ne connaît pas grand chose, à savoir que t'es plus camouflé en vert qu'en rouge. Je pense que ça s'arrête ici au niveau de notre niveau, mais... Le but, c'est pas de ressembler à un buisson et que quelqu'un puisse passer à 30 cm de nous sans nous voir, parce que bah, là, pour le coup, il faut avoir trop de matériel sur soi pour arriver à ce point-là, mais là le but c'est d'avoir un minimum de matériel pour des utilisations type chasse, pour des chasses à l'approche, pour avoir le minimum de camouflage requis et un minimum de connaissances dans cette utilisation-là pour se fondre le mieux possible dans son environnement et pouvoir surprendre le gibier. Et bien adapter le camouflage à l'environnement, voilà, toujours. Tout à fait. Un petit panel de ce qui peut se trouver entre du climat tempéré et du climat européen comme on trouve chez nous, ça dépend là où vous chassez, et la montagne aussi là. Donc on peut voir qu'il y a des camouflages un peu plus type neige pour la chasse aux mouflons, les choses comme ça. Ce qu'on peut utiliser aujourd'hui du coup. Non, là aujourd'hui ça sera un peu hors contexte, mais on peut faire un exercice ou habiller comme ça, on peut voir qu'en fonction de comment on utilise le terrain, on peut arriver quand même très proche de son objectif sans être détecté. Ça me paraît incroyable. Alors là, au niveau de la présentation, après je vous parlerai un peu plus techniquement à quoi on fait attention. Il y a une espèce de liste technique, une checklist à remplir pour être sûr qu'on minimise un maximum les possibilités de se faire détecter. Mais avant ça, du coup, pour vous présenter un peu les panels de camouflage qu'on peut trouver sur le marché ou ce que vous pouvez fabriquer vous-même à moindre coût. Parce qu'il y a des choses qui sont très très chères et qui ne sont pas forcément très utiles. Et parce que nous, on a des viewers qui sont pauvres. Donc... Aussi, je ne fais pas partie des riches, et puis c'est toujours plus sympa de fabriquer ses affaires soi-même telles qu'on les souhaite. Et qui sont pour le coup mieux adaptés à là où vous évoluez plutôt que quelque chose qui est déjà sur étagère et qui sera plus universel que vraiment ciblé sur là où vous évoluez. Alors explique-nous un peu ce que tu as ramené. Du coup, on va commencer par les ordres de coloris entre guillemets. Ouais. On va commencer sur tout ce qui est à base de vert et qui sera du coup plus adapté aux forêts françaises, européennes. Donc là, par exemple, on a ce camouflage là. Donc, qui fait penser à un camouflage en particulier qui n'a pas été très. Qui a mauvaise presse vu l'histoire. C'est le camouflage allemand de la Seconde Guerre mondiale, ça. Voilà, donc ouais. Ça ressemble au camouflage allemand, mais ce n'est pas celui-là, ça c'est le russe. Donc c'est le camouflage partisan qui est élaboré à partir du camouflage allemand, mais qui a été modifié pour leur impératif à eux. Donc ça c'est une veste originale russe qui date des années 70 de mémoire. En restant dans les mêmes tons. Donc là après on a par exemple la veste anglaise DPM, donc on voit qu'on reste à peu près dans les mêmes couleurs. Bon, celle-ci est plus délavée parce qu'elle est plus vieille. On reste dans les mêmes couleurs, c'est juste après les dessins qui changent. Donc après ça c'est propre à chaque pays, pourquoi ils font des dessins comme ça et pas autrement. Un peu plus foncé aussi, non ? Elle est, parce qu'elle est un peu plus neuve, mais ouais. Après un peu plus foncé parce que globalement les forêts anglaises sont peut-être un peu plus sombres. Que les nôtres, plus de noir. Donc du coup un peu plus de noir, un peu plus de marron, sachant que le noir on ne le retrouve nulle part dans la nature, ça n'existe pas. Ouais, il y a des couleurs sombres, mais le noir ça n'existe pas. Là on a le camouflage Centre-Europe, enfin dit Centre-Europe, donc français. Là encore, on voit que c'est encore les mêmes couleurs qui sont utilisées, globalement à quelques teintes près.
Donc voilà, on a encore les mêmes choses pour correspondre aux forêts qui nous entourent le plus possible. On a en camouflage tropical, donc ce qu'on connaît un peu plus maintenant parce que ça s'est énormément démocratisé et puis qu'on l'a vu à la télé. Alors ça, c'est pas un multicam, c'est un MTP parce que ça, c'est une veste anglaise. Donc ça ressemble énormément au multicam, mais les dessins sont un peu différents et les teintes de brun ou de vert sont légèrement différents du multicam. Okay. Mais franchement, à l'œil, ça se voit. C'est un petit peu plus désertique. C'est vraiment difficile à voir. Standard, non ? Ça a l'air un peu plus gris, plus marron. Ouais, après, c'est les teintes que les Anglais ont décidé d'adopter. Après, l'armée française va adopter un camouflage semblable à celui-ci, mais pareil, avec un peu plus digitalisé, avec un peu les motifs un peu différents et les couleurs qui seront pas exactement les mêmes. Mais okay. Bon, globalement, ça fait le même travail. C'est vraiment qu'il faut regarder par rapport au contexte dans lequel on évolue. Donc là, c'est vraiment dans des vestes de camouflage basiques, qu'on peut, comme toi, tu as. Après, le Ranger Green, comme ça, ça marche très très bien aussi. C'est une très bonne base parce que globalement, ça passe à peu près partout. Et c'est juste après ce que vous avez rajouté sur vous qui va agrémenter la couleur de base et faire que vous allez encore augmenter les capacités de votre camouflage. Donc là, on est sur du 2D et après, on passe justement sur du plutôt 3D. Oui, alors après, sur la 3D, il y a des. Comment dirais-je ? On voit beaucoup de joueurs d'Airsoft qui sont passionnés par configurer des guillis, mais énormes. Et qui, alors pour le coup, marche très très bien parce que c'est vraiment des buissons en fait. Ouais. Mais dans un contexte de chasse où il faut se déplacer dans le sous-bois avec les ronces, avec tous les trucs qui accrochent les branches, mais c'est impossible. De toute façon, on va le faire après, à mon avis. En plein été, ça tient tellement chaud. Les guillis avec plein de trucs accrochés, à mon avis, dans les buissons, ça doit pas être. J'ai plus de pantalon, je l'ai perdu quelque part par là. Une guillie, ça se met au dernier moment. Quand vous avez approché votre zone du coup d'approche et que vous approchez de la zone du gibier, c'est là au dernier moment où vous allez mettre une guillie sur vous. Pour vraiment peaufiner vos derniers mètres. S'approcher au plus près quoi. Mais si vous commencez à crapahuter pendant 3 km avec ça sur le dos dans la forêt, c'est mort. Ce que vous avez dit aussi, c'est super chaud. Et ça tient super chaud. Donc effectivement, donc là les trucs qui vont être présentés, c'est pas les gros buissons comme on peut voir dans les films américains de sniper, etc. Ça, c'est il y a le contexte film. Et la réalité fait qu'on ne peut pas se trimballer avec des choses comme ça sur soi. Là, tout simplement, par exemple, c'est une veste que j'ai améliorée, moi-même, bricolée. Donc là, c'est machine à coudre et puis toile de jute. Ah, tu fais un peu de couture, non? Ça, c'est la base. T'as un peu couturier dans l'homme. Ça, c'est la base. Il faut créer son matos soi-même, c'est toujours mieux. Et en plus, on peut le faire évoluer plus facilement. Donc bon, là, la jute est un peu froissée parce que je l'ai laissée stocker un moment. Mais rien que ce genre de petites choses-là, permet quand même énormément de casser. Alors je l'ai mis que sur le dos et sur les extérieurs des manches pour pas qu'on soit gêné pour récupérer du matériel, ouais. Pour récupérer ce que je montrerai après, certains accessoires qui sont nécessaires pour améliorer son poste de tir au dernier moment. Donc tout l'intérieur est sobre et il n'y a que sur la capuche, sur le dos et sur les épaules où j'ai rajouté donc de la toile de jute avec aussi dans la capuche ce qu'on appelle une chèche. Pour mettre sur le visage et en fait pas forcément devant le visage mais aussi qui va tomber sur la lunette parce qu'on verra qu'après le camouflage du fusil est aussi très important pour que on discerne pas un visage derrière la lunette parce que forcément on met pas ce que tu montreras après tout ce qui est peinture sur le visage c'est sympa mais généralement ça gratte, ça irrite la peau et puis c'est pas terrible donc le fait d'avoir une chèche comme ça sur le visage, ça évite qu'on ait une grosse tache blanche derrière un fusil qui fait que ça va dénoter. Et certains animaux voient quand même très bien certains détails. Et, Parce qu'on a de la peinture pour le visage, on le fera pour l'aspect rigolo, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est quand même pas de temps utilisé au final. Non, alors dans l'armée, on faisait souvent ça parce que c'est la solution de camouflage facial la plus rapide, quoique la flaque de boue, ça marche très bien aussi, et puis c'est mieux pour la peau. C'est cher. C'est bio, pour moi c'est bio. Et voilà, mais après, sachant qu'on le verra après dans les... la checklist technique qu'il faut respecter pour le camouflage. Le camouflage facial doit être entretenu en permanence. Ouais, parce que ça, la transpiration, ça doit partir. Et c'est vraiment galère d'avoir ça sous. En plus, comme je dis, la plupart du temps, ce genre de choses-là, c'est très irritant pour la peau. Et au bout de 2-3 jours de terrain ou de trac en forêt, vous avez la peau qui est fracassée. Quoi. Okay, yes. Là, on a une autre guilie, donc très, très, très verte, claire, qui correspond surtout au printemps. Lorsque toute la végétation se développe, ou si vous faites attention autour de vous, toutes les jeunes pousses, toutes les premières feuilles, etc. sont vraiment vertes fluo. C'est vrai que ça me paraît vraiment très très clair. Mais parce que toujours pareil, c'est mis hors contexte, parce que là, rien que le camouflage de la table est très vert foncé. Donc quand on pose ça dessus, ça tranche vraiment énormément. Donc c'est toujours pareil, il faudra toujours l'adapter à son environnement. Ce qui correspond à un milieu ne correspond pas à un autre. Donc là, c'est juste pour montrer une guilie minimaliste, entre guillemets.
pourras l'essayer après si tu veux. Donc c'est juste une capuche, les épaules et les bras, pour pouvoir avoir un sac à dos, du matériel sur pour pouvoir quand même pouvoir se camoufler un minimum. Sur le sac à dos, on peut rajouter un sursac qu'on appelle camouflage pour casser aussi un peu la forme bombée du sac. C'est le gros avantage de tout ce qui est en 3D, c'est que ça va vraiment casser la forme et faire une forme arrondie. Quoi. Et donc ça, c'est du raffia. C'est que de la toile, c'est que de la fibre végétale, de l'herbe séchée, qu'on peut acheter à Cultura ou n'importe où. Et fait donc avec une guilie minimaliste, comme on peut voir à l'intérieur. Il y a des gros passants. Il y a des gros passants textiles à l'intérieur, donc on va faire des nœuds autour et puis on confectionne la guilie. Ça va prendre un bout de temps à faire ça. Oui, ça prend quelques jours parce que. Il faut le temps de couper tout, de faire que des têtes d'alouette pour les passer dans tous les passants, après de tester à mesure sur le terrain ce que ça donne, en rajoutant d'autres textures ou voilà pour. Après c'est votre imagination, enfin la limite, c'est votre imagination. Donc, laissez parler votre créativité. Alors faut pas être trop exubérant non plus, mais faut surtout être observateur et regarder comment ça se passe autour de vous. Et faut adapter tout ce que techniquement peut correspondre au terrain dans lequel vous évoluez. Là on va attaquer sur des guilies donc un peu plus conséquentes. Donc là c'est des deux pièces, donc ça va plutôt correspondre à un climat automne, donc avec la nature qui a commencé à sécher, donc avec des pantalons aérés très légers. Ah ok, il y a un pantalon plus une veste. Ouais, donc c'est un pantalon. Ah, ça doit bien marcher ça. Et on a la veste aussi, la veste et cagoule. Donc en 3D aussi, pareil. Donc ça c'est bien parce que ça respire énormément. On voit la main à c'est travers. C'est moins chaud qu'une guilée normale quoi. C'est bien moins chaud. On a quand même de la 3D qui va casser donc un peu les formes du corps, sachant que c'est pareil, il faudra la même chose pour le fusil aussi, parce que si le fusil est nu, il y a des chances qu'il soit détecté, enfin que vous soyez détecté à cause de votre arme. Oui. Pareil, donc la petite cagoule aussi. Donc c'est très léger, ça respire bien, ça permet quand même de se camoufler très rapidement par-dessus votre tenue que vous avez pour capoter. Donc là, tu as ton treillis, il n'y a rien besoin d'enlever, on le rajoute par-dessus au dernier moment. Et du coup, ça, c'est quand même super efficace. C'est ultra compact en plus, quand c'est bien tassé dans le sac. C'est pareil, c'est le genre de guilie que je préfère parce que c'est pour les raisons que je viens de citer, léger, respirant. Adapté au terrain par rapport à sa confection. C'est pas les guilies Wish dont tu parlais ? Ah ben ça c'est du Wish, hein. C'est pareil. Faut arrêter de se toucher avec des. Faut mettre un bip. Faut arrêter de se toucher avec des ensembles comme ça qui vont coûter 200, 300, 400 balles. Ouais. Non. Oui, ça a pas l'air si nul en fait. Mais bien sûr que non. Mais de toute façon, comme j'ai dit, c'est pas fait pour crapauter dans la forêt. Au dernier moment. Donc c'est pour mettre au dernier moment pour faire les 3-4 derniers mètres. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs qui coûtent 400 balles pour faire ça. Ça sèche super vite du coup, et puis c'est quand même très ample. Donc même si vous avez du matos sur vous, si vous avez un ceinturon de chasse ou comme ça, vous pouvez quand même le mettre, c'est pas gênant du tout. Ça ressemble fort au camouflage qu'on trouve sur la chasse à la... Toi qui chasses Clément, tout ce qui chasse aux pigeons, des choses comme ça, tout à fait. Ça ressemble vraiment à ça. Bon après pour aller pour la palombe par exemple, c'est ce que j'utilise. Et ça marche vraiment très bien. Là on va rentrer dans des guilies donc un peu plus lourdes, donc là déjà on voit ça prend plus de place, tu peux sous-peser. Et là c'est pareil. Un peu plus lourd aussi, ouais. Là il y a que, pourtant il y a la même chose, c'est cagoule, pantalon et veste. Ça a l'air plus chaud du coup. C'est plus chaud aussi. Donc là après, alors en hiver ça va être moins gênant, mais malheureusement c'est pas un camo hiver. Non, là on est sur du désert. C'est une brique. C'est une brique. Un parpaing. On peut dire que c'est une brique. On est sur les mêmes toiles que la précédente. Beaucoup plus de relief. Mais donc tu vois c'est pareil, hein, c'est quand même bien respirant, mais par contre il y a vachement plus de matière dessus, donc ça tient quand même beaucoup plus chaud. Et là tu imagines très bien que si tu dois commencer à ramper dans des forêts avec autant de matière dessous, on va ramasser la forêt avec nous et il y a le froc va rester derrière. J'ai plus de pantalon, je l'ai perdu quelque part par là. Après tu feras des essais, de toute façon tu verras bien qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, c'est juste pour montrer un peu ce qu'il y a. Donc ça c'est le pantalon. La veste. Et la veste. Il n'y a pas de cagoule là-dessus, c'est une capuche. Il y a capuche, si, il y a une cagoule aussi. Ah, okay. Et il y a un léger filet pour l'arme aussi. En fait, il y a une espèce de chapeau. Ouais, parce que non, il n'y a pas de capuche sur celle-ci. Ça, dans un climat sec, ça doit être. Donc, climat sec, ça marche très bien. Sous réserve qu'il y a de la végétation aussi autour de vous. Parce que, comme je disais, si jamais on est sur un tas de cailloux et qu'il y a du vent, les cailloux ne bougent pas forcément. Et par contre, si là, vous avez, vous, le camouflage de la guilie qui bouge avec le vent, ça va attirer le regard tout de suite. Et comme on en parlera plus tard, la première chose qui fait que vous serez détecté par le gibier, c'est parce que vous allez bouger. Par votre odeur et parce que vous allez bouger.
quand tu prends des guilis, même alors qui sont en couleur désert, mais où les franges sont trop longues, si tu es sur un petit piton avec que des cailloux, le moindre coup de vent, t'as ça qui va bouger. Et le mec, bouge, attends, il y a une couille là. Donc, du coup, il y a problème. Du coup, vaut mieux carrément un truc que comme ça. Okay, ça juste le tissu, de la chèche comme ça, mais bien sanglé, qui fait que bah, du coup, ça va pas bouger. Tu vois, il y a une autre guilis que j'ai en désert. Mais pareil, les franges sont assez longues. C'est des trucs qu'il vaut mieux retailler. Tout dépendra de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est, mais c'est clair que c'est beaucoup plus lourd. Hein. Enfin, beaucoup plus imposant, ah, clairement, matériel beaucoup plus lourd. Et puis là, pareil, là, c'est-à-dire que si vous avez du matériel sur la poitrine, gilet de chasse ou quoi que ce soit, bah, là, on n'y a pas accès parce qu'on le ferme intégralement et c'est moins pratique. Voilà, pour la tête, c'est un chapeau basique. Ça ressemble un peu à un truc d'apiculteur. Ah, il y a un petit filet devant. Ouais, il y a... C'est vrai que ça ressemble à un truc d'apiculteur. Bah, ça fait... Tiens, je peux le mettre sur ta tronche. Hop. Quand je vais à mes ruches, je suis toujours camouflé. Tu vois bien quand même avec le filet, enfin, c'est comme si t'avais rien. Oui, non, mais ça passe. Ça passe. Après, vous, voilà, vous c'est vraiment... Là, à la limite, ce genre de camouflage-là, c'est vraiment si on veut... Bah, notamment, par exemple, pour ceux qui observent les oiseaux ou qui veulent prendre beaucoup de photos sur la faune et la flore, pas forcément les tireurs, quand on a ça sur le dos, on peut rester quand même très longtemps au même endroit et se fondre assez rapidement dans l'environnement. Et si on bouge pas, les animaux peuvent très rapidement... graviter autour de nous sans s'en rendre compte. Mais c'est pareil, se déplacer avec ça, si ça débranche au-dessus de toi. Ah ouais, non, ça faut vraiment le démettre au dernier moment, ou alors parce que vous savez que le gibier va passer à tel endroit, vous vous mettez en place en avance, vous équipez à fond avec tout ce matériel-là, et puis après, vous attendez qu'ils arrivent. Quoi. Mais si les animaux sont déjà pas loin, c'est mieux d'avoir des trucs beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Donc la blanche est exactement la même, mais couleur blanc, et celle-ci c'est la même couleur. Couleur verte type française. Et après la dernière chose aussi, donc surtout pour les chasseurs, pour l'hiver ou pour ceux qui vont à la montagne, ça c'est tout bête, mais c'est une combinaison de peintres que vous pouvez n'importe où à Monsieur Bricolage ou autre, ou Leroy Merlin. Et pour le coup, c'est une combinaison une pièce, ça se met en 2 secondes, ça coûte 5 balles. Et ça marche super bien en fait. Ouais, parce que c'est blanc en fait, faut du blanc. C'est juste du blanc. Après, au pire, si vous voulez être un peu perfectionniste, vous la salissez un peu avant. Mmh. Parce que de la neige immaculée, c'est quand même assez rare aussi, à part vraiment en altitude. Ouais. Mais sinon, vous la salissez un petit peu et ça fait largement le boulot pour ça. En fait, c'est l'environnement le plus simple, la neige, parce que t'as juste à mettre du blanc et. Ouais, c'est ça. Et tu peux bouger comme après, tu veux. Après, c'est toujours pas, ça dépend si c'est vraiment de la neige partout, ou s'il y a du rocher aussi parce que ça a commencé à fondre, ou parce que vous n'êtes pas encore en haute altitude, ou c'est un mix entre le rocher et puis la neige, il faut quand même adapter. Adapter son camouflage ou alors l'endroit où vous allez vous poster pour être là où c'est cohérent. Pardon. Pareil, en écran de camouflage très rapide, on a ce qu'on appelle des chèches comme ça. En hiver, vous pouvez le foutre autour du cou, déjà ça tient chaud. Et quand vous arrivez sur place, c'est juste tendre un filet qui correspond aux couleurs de l'environnement, toujours pareil, devant vous, soit pour faire donc un écran pour vous être derrière et ne pas être vu, ou alors le mettre sur vous. Pour cacher la tête, les épaules, la lunette, pour éviter surtout ça, le faire tomber devant la lunette, c'est bien aussi parce que ça va diminuer un peu l'effet de reflet sur le la reflet lunette. Sur le verre, on en parlera après. Si jamais vous mettez ça en plein soleil, c'est pas conseillé, mais si parce que vous voyez pas le soleil tourner ou parce que votre emplacement fait que vous pouvez pas changer d'emplacement et que le soleil arrive sur vous, c'est bien de pouvoir casser un peu le. J'ai déjà vu des trucs qui se fixaient sur les tubes optiques avec un filet déjà devant. Pour alors après, par contre, ça diminue la luminosité qui va rentrer dans la lunette, donc l'image sera moins nette. Mmh. Ça sera un peu plus aussi dégradé parce qu'il y a un truc devant. Il y a un obstacle entre guillemets devant votre lunette, mais en fonction des tirs qu'il y a à faire, et si c'est dehors en plein jour, ça gêne pas du tout. Un cache-cache. Ouais. Après, il faut parler du faux meglotte si tu veux. On va faire l'aspect technique justement pour vous parler un peu. Donc, comme tu disais, il y a l'acronyme FOMEGBLOT qui permet de se rappeler de tout ce qu'il y a à savoir pour le camouflage. Je vais te laisser le dire parce que tu en sais plus que moi. C'est un terme militaire, donc c'est un passe-bête. Hein. Je ne trahis aucun secret. Hein. Toutes les personnes qui ont fait leur service militaire connaissent ce mot-là. Et il n'y a rien de compliqué, c'est juste pour faire penser aux choses qu'il y a autour de nous et qui peuvent nous trahir, sachant que la première chose qui va nous trahir, c'est notre comportement et les erreurs qu'on va faire. Mmh. Donc là, le premier F, je ne sais pas si tu connais déjà ce... C'est forme. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vrai ? C'est le fond. Donc, comme je disais, c'est je suis en place, je regarde derrière moi et je regarde si ce qu'il y a à l'arrière-plan correspond à comment je suis habillé. Forcément, si vous avez, je prends vraiment un exemple capillotracté, mais si vous êtes en blanc
vous êtes en guillemets blanche parce que le sol il a neigé. Ouais. Donc je dis ok, je me fonds avec le sol, pas de souci. Mais par contre derrière, c'est vrai. Tous les troncs d'arbres sont noirs ou sont verts parce que la neige a fondu dans les arbres. Une grosse tache du coup, ça va faire une grosse tache blanche qui va se détacher par rapport au sol. Ouais. Donc on va la voir rapidement. Si vous restez allongé, ça va aller. Si par contre vous vous détachez trop du fond, et ben, du coup on va vous détecter. Donc faire attention au fond. Après le deuxième F, comme tu disais, donc c'est la forme. Et ben, on va essayer, c'est pour ça qu'on veut casser les formes, on va essayer d'éviter. Bah, par exemple, qu'on puisse reconnaître trop facilement la silhouette d'un humain dans le camouflage. Donc la tête qui est vraiment bien ronde et qui est particulière, on va mettre un chapeau de brousse, on va mettre une cagoule de ghillie ou quoi que ce soit, pour casser ces formes-là qui sont reconnaissables facilement. Ensuite, les ombres. Tout à fait, les ombres. Donc déjà, si on peut se cacher à l'ombre, et ensuite, attention aux ombres qu'on va pouvoir générer nous-mêmes. On est mieux caché à l'ombre qu'en plein soleil, pour les reflets. Ouais, toujours. Vaut mieux. Alors après... D'un point de vue militaire, ça dépendra aussi de la situation. Parce que s'il n'y a qu'un seul arbre et qu'on se met au pied de cet arbre à l'ombre, on va être peut-être... Enfin, c'est des points qui sont caractéristiques. Il y a 18 mecs, c'est dans l'ombre. Que les gens vont chercher, c'est ça. Mais après, d'un point de vue chasse, oui, plutôt se mettre dans les ombres qu'en pleine lumière. Parce qu'il y aura toujours des différences de texture et de reflet. On en parlera après par rapport à la nature qui va vous entourer. Ensuite, si on réfléchit au M, il y en a un qui l'a ou pas? J'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième chose qui va nous faire détecter tout de suite. Le mouvement. Le mouvement. M. Donc c'est à partir du moment où on chasse, forcément on sait que l'exemple le plus flagrant, c'est on se dit quand on est en bagnole et qu'on roule la nuit près des champs qui sont labourés, à quel moment vous voyez un lapin qui déboule? Au moment où il a décidé de bouger parce qu'il s'est chié dessus. Quand il est resté en boule et qu'il était au milieu de... On ne le voit pas, pourtant il n'est pas camouflé plus que ça. Il est gris, la terre est marron, on pourrait le voir facilement à l'œil nu. Mais l'œil humain et l'œil de n'importe quel animal... De par notre passé de mammifère, fait qu'on détecte le mouvement parce qu'on est des prédateurs et parce que c'est le mouvement qu'on voit tout de suite. La moindre chose qui va bouger va attirer l'œil. Donc attention nous à nos mouvements, le moindre mouvement, surtout avec des gibiers très sensibles, les cerfs, chevreuils, sangliers, etc. Font que déjà nous ils vont nous sentir d'un peu plus en avance que nous. Mais par contre, le moindre mouvement qu'on va faire tout de suite, eux, ça va leur attirer leur attention et ils vont se barrer. On l'a vu hier. Toujours faire attention au mouvement parce que c'est globalement ce qui trahit à 95% du temps, c'est ce qui va trahir un tireur. Ensuite, éclat. Donc, comme on en a parlé, attention. Là, on a un scope d'observation. Attention au reflet du soleil sur la lunette, sur la lunette du fusil, sur la lunette de vos jumelles, sur les éclats sur vos lunettes de vue ou choses comme ça. On est vite aspiré par le gibier quand on le voit arriver. On peut être tenté de se déplacer, attention à ne pas prendre un rayon de soleil en pleine tête. C'est pour ça qu'on met les filets exactement aussi devant les optiques. Devant les verres, pour diminuer ça. Le C. Aidez-moi. La couleur. Ah, couleur, putain, en couleur. Plus, oui. Attention aux couleurs. Alors, par exemple, les grosses erreurs qu'on peut voir. Les chaussures. T'as vu la souplesse? J'ai vu la souplesse. C'est des choses, on n'y pense pas. Mais que ce soit adapté aussi à l'environnement et puis à votre tenue. Donc là, chaussettes noires aussi, j'ai pas eu le temps de les changer, mais bon, si on peut, on évite. Chaussettes vertes. Ouais. Chaussettes vertes ou marron. Et les shoes, attention, parce que c'est ce qu'on voit en premier. On a tendance à mettre Et les mains aussi. Des chaussures noires. Et les extrémités. Ouais, à mettre des chaussures noires, et ça pour le coup. Alors sur du gibier, ça va. Après, pour ceux qui font de l'airsoft ou des choses comme ça, et qui font des parties dans la forêt, on peut vite détecter des paires de chaussures parce que le cerveau est habitué à en voir tout le temps et du coup en plein milieu d'une forêt, une chaussure noire, vous allez la voir tout de suite. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, quand tu vois quelqu'un de loin, tu repères tout de suite forme du visage, forme des mains, parce que c'est des formes qui sont pas du tout naturelles et très très particulières. Tout à fait. Donc la couleur, oui, pour les mains, des gants tout simples comme ça qui vont permettre de casser la couleur. On descend bien les manches et ça forcément ça va beaucoup moins attirer l'attention. Attention quand même. Parce que même une paire de gants que vous allez accrocher sur un grillage ou quoi, l'humain est quand même habitué à détecter ce genre de forme-là. Parce que, la forme des mains, ouais. Et c'est quelque chose qu'on repère quand même assez bien. Donc il y a des gants comme ça aussi, avec des feuilles 3D comme ça dessus. Ouais. Donc c'est encore mieux parce que ça casse vraiment la forme humaine. Là, on casse la couleur, on casse pas forcément la forme. Pareil pour le visage, là, l'exemple j'ai mis pour le tournage, donc une cagoule comme ça. Là, il me reste encore que l'empreinte des yeux qui est ça va être pour toi. Merde. J'en ai assez mis, moi. Le bruit, le B. Le bruit. Le bruit.
Donc là, bon, bah, rien de spécial à rajouter. Hein. On fait gaffe. Après, ça peut faire attention aussi au matos qu'on a avec nous. Ouais, tout ferraille qui fait bruit, après, ce qui est bien, c'est de tester son matériel avant de partir. On met tout sur le dos et on saute sur place. Et bon, voilà, on ne fait pas des sauts de 3 mètres parce que voilà. Mais rien que sautiller sur place permet de voir si on a le matos est bien agencé dedans, si tout est bien rangé, bien compartimenté et ne fait pas de bruit. Il y a tout un truc là-dessus. Il y a beaucoup d'habits de chasse, toi comme tu dois connaître, qui ont des matériaux qui font aucun son quand le vêtement frotte, qui font pas de bruit. Clairement, et... c'est pareil. Hein. Ouais. Là, on voit bien que ces bruits-là de tissu qui frottent, bon, c'est caractéristique. Après, c'est vraiment. Si on en est à vous détecter avec ça, c'est que vraiment vous êtes proche. Ouais. Donc c'est. Ouais, pour un chasseur à l'arc qui va aller vraiment proche. Oui. Par exemple, ouais. Ah oui, complètement, bien sûr. Ah ouais. Oui, tout à fait. Dans la mesure du possible, il faut éviter tous les textiles nylon un peu durs là. Ou tous les trucs ripstop, mais vraiment nylon. Le coton, c'est ce qui est encore de mieux. La lumière. Très bien. Bah là, la lumière. Je voilà, préfère mesurer. Tu vois bien avec le partenariat que tu as avec Olight là, qui fait des grosses lampes bien puissantes. Je pense bien que si dans les sous-bois on a mal rangé la lampe et puis qu'on appuie sur le bouton. Ou même un truc tout bête, une diode allumée rouge, un truc comme ça, en pleine nuit. Complètement. Et donc c'est pour ça, c'est toujours pareil. Il faut connaître son matériel, savoir où est-ce qu'on l'a agencé ou dans quel poche on l'a mis. Attention à ce qu'on ne puisse pas appuyer sur un bouton par inadvertance. Ça serait dommage de mettre un gros coup de lampe au dernier moment. À la tombée de la nuit. T'es pratiquement arrivé, tout c'est sombre, et là, pff, gros coup de lampe. C'est exactement ça. On a déjà dit... Allez, dites quelque chose, là. Ah, l'odeur. L'odeur. Ouais, c'est vrai. Surtout à la chasse, où c'est quasiment un des trucs les premiers, en fait. Ah ben, vous ferez détecter, enfin, alors détecter, non. Le gibier saura que vous êtes là parce qu'il vous a senti, il va pas vous localiser. Il vous localisera si vous bougez. Ouais. Mais donc, du coup, c'est pour ça qu'avec tout ce qui est ghillie, etc., le mieux, c'est de jamais les laver. Clairement, celle-ci, par exemple, quand je l'ai faite, et quand j'ai coloré un peu là, tout ce qui était toile de jute, forcément ça sentait la peinture, ça sent la teinture, ouais, ça sent le neuf, ça sent la... Donc du coup c'est roulé dans la terre, foutu dehors, laisser dormir 15 jours la veste dehors accrochée à un arbre pour que ça rince les odeurs entre guillemets humaines. C'est éviter de mettre des déos qui sentent à fond, du parfum, éviter de mettre des vêtements qui sortent de la machine à laver parce que ça sent la lessive à fond. Éviter de fumer des gros cigares à la chasse. Éviter de fumer des gros cigares de gros dégueulasses. Dédicace à un ami. Si vous ne mettez pas dans le bon contexte, ça ne marche pas. Ben, les odeurs, c'est pareil. Si vous n'avez pas les bonnes odeurs, ça ne marche pas. Au même titre que si vous allez chez des amis et que vous sentez la forêt, ça ne va pas le faire. Donc, faut adapter son odeur. Là, par contre, il faut se laver. Faut se laver. Mais il faut adapter son odeur dans le milieu dans lequel on évolue. Ouais. Et le dernier. Le T. Les traces. Ah ouais. Okay. Ouais, c'est vrai. Bah, là, c'est vraiment, on va dire, après, entre guillemets, plutôt. Alors, les traces, alors que vous allez pouvoir laisser avec vos pieds, ou etc. Mais les traces que vous pourrez laisser aussi avec ce genre de truc-là. C'est-à-dire que si vous passez dans les fourrés, alors pour le gibier entre guillemets, ouais, on s'en fout. Par contre, je reviens pareil aux airsofters ou des trucs comme ça, si vous faites des parties de track, si vous passez dans les fourrés et que vous laissez de la toile de jute partout, après on vous suit comme le petit poussé. Quoi. Parce que je suis en train de faire mon casse-dalle pendant mon infiltration, pendant mon approche sur le gibier, si je laisse les papiers par terre, les conneries, vous allez aussi laisser des odeurs de bouffe par exemple. Donc c'est pareil, hein. Généralement, toutes les lettres de ce mot-là, on arrive à jongler les unes sur les autres parce que généralement, si vous en respectez pas une, ça va vous renvoyer sur une autre, etc. Donc là, les traces, c'est les traces visuelles, les traces olfactives, les traces passées au fond du slip, hein, ça compte pas. Mais c'est tout ce que vous pouvez. ça rejoint odeur. Non, ça c'est quand tu t'es foiré et que le sanglier va te foncer sur la gueule. Là, ouais. Mais bon, là, ça comptera plus. Bon, bah là, Si globalement vous respectez tout ça, du mieux possible, ça les possibilités d'être détecté sont quand même très faibles. Enfin, ça tout faire, enfin réussir à tout faire sans rien rater. C'est pour ça que dans les forces armées, tireur d'élite, c'est un métier. Hein. Ouais. Et ils font que ça. Et c'est une spécialité qui demande à être entretenu et pratiqué en permanence parce que et à être observé surtout parce que seul on se rend pas forcément compte des erreurs qu'on peut faire. C'est ça qui est des exercices qui sont super, super sympas d'observation. Ne serait-ce que pour s'entraîner, pour l'approche des bêtes, etc. C'est un collègue à vous qui va observer une partie de terrain et vous qui devez vous infiltrer le plus proche de lui possible sans qu'il arrive à vous détecter. C'est super ludique, c'est hyper intéressant. Bon, du coup, suite des opérations, on va passer à tout ce qui est exercice de camouflage. Mais avant ça, on va faire un tuto backup. Du coup... Tu vas nous expliquer comment on fait pour les formes et puis c'est Simon qui va dessiner. Comme pour tout le reste du camouflage, le but ça va être de casser les formes du visage. Donc faire paraître
tout ce qui est en relief, diminuer le relief et diminuer aussi toutes les impressions de trous, les orbites des yeux. Si on a les, non, mais pour les gens qui ont les pommettes très saillantes ou les choses comme ça. Donc tout ce qui va être en relief, en 3D, on va dire, ça va être, on va l'assombrir. Okay. Et tout ce qui est en creux, on va l'éclaircir. D'accord, ok. Ça, le stick, c'est la hantise de. C'est la hantise. Parce que c'est, c'est dur, ça gratte, ça fait mal à mettre. On va prendre l'autre. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Non, ça marche, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de terrible. Après, l'autre permet déjà de s'auto-maquiller. Ouais. Il y a un miroir. Il y a un petit miroir dedans, comme les trucs de femmes, en fait. Donc, du coup, alors les traits en travers la tronche, on peut le faire. On peut faire. Ouais. Après, dans l'absolu, qu'il y ait des gros dessins, c'est pas. Ouais. C'est pas ultra primordial, mais après ça va être surtout voilà, pour casser les pommettes saillantes, le nez, les orbites. Donc on va plutôt mettre, je vous laisse faire improviser, plutôt mettre du clair sur tout ce qui est autour des yeux, sans faire des yeux dragondin ou de... Arraton laveur avec de gros trucs, mais... Viens faire des lunettes. Tout cet axe-là, c'est que tu passes sur le nez et tu te donnes, donc en fait tout ce qui est en travers là, à la limite, tu peux faire un truc assez sombre, et après tu refais des bandes un peu plus claires sur le côté. Alors si on est perfectionniste, on fait l'œil aussi. Mais bon, là, dans l'œil. On s'arrêtera là pour... Comment ça l'œil? Qu'est-ce qu'il faut pire, tu veux dire? Non, l'œil en lui-même. Wow, mais d'accord. Quoi l'œil Mais qu'est-ce qu'il raconte de déconner l'œil? Vous êtes des jambes, quoi. Quoi l'œil? Bah oui. Ça fait mal. Généralement, t'as jamais le col remonté jusqu'au. Et il faut faire aussi les testicules, hein, c'est ce qu'il a dit. Ah, ça, la couille, c'est important. Tu vas avoir les mains dans un étau. Bah, vaut mieux avoir les mains dans un étau que la gueule dans un étau. Ah, moi, je le vois pas là, j'ai l'impression d'avoir rien. Ça a une texture de quoi? C'est de la pâte à modeler un peu molle? Bon, je pense que c'est des produits cancérigènes la plupart du temps. Mais c'est des résidus de pétrole. Oui, mais c'est sûr. C'est des produits cancérigènes. Là, on va passer donc à la deuxième étape. La veste du patron. Bon, normalement, ça se met tout seul, hein, mais c'est comme il est un peu assisté. Parce que sinon, avec la fermeture éclair, ça va pas. On peut pas faire, on peut pas fermer. Ça, faut le mettre d'abord dedans. Ok. Et après, tu le sors à l'intérieur s'il y a besoin. Et bah, allez. Exercice. On est pas mal déjà. Là déjà on voit moins. Voilà, du coup le défi c'est de rester comme. Ah bah là c'est pas mal, là on est bien quand même avec les lunettes, là ça fait un style aussi. Il manquerait plus que le cigare. Là ça fait le vétéran Vietnam. Retour du Vietnam. Il faudrait aller dans la forêt du coup à côté là et qu'on voit déjà ce que ça donne. Avec ça? Avec ça et puis tester les différents cams. Ouais on va faire ça. Comme ça on fait le test des différents cams. Suite de la randonnée, on va tester différents camouflages pour voir ce qui marche le mieux et ce qui marche pas. Et surtout pourquoi ça marche bien et pourquoi ça marche pas. Voilà. Par exemple. Un endroit, si t'as des orties d'héron, ça va parfaitement. Si tu t'allonges par terre, que tu te mets en position, et nous on peut faire de là, bah là on voit rien, là on voit qu'on voit rien. On s'approche jusqu'à ce qu'on le détecte. Mets-toi accroupi. Déjà tu vois, ça marche quand même bien. Hein. Alors que tu vois, dans le champ, ça paraissait pas du tout. Rien que là, c'est impossible de te voir. Si on sait pas où t'es, on te voit pas. Bah pour dire que là on est à quoi? On doit être à 50 mètres. Ouais c'est ça. 50 mètres on le discerne pas, après on le voit à l'œil nu parce que on sait où est-ce qu'il s'est mis. Mais c'est impossible à détecter. Donc on va se rapprocher de 10 mètres en 10 mètres jusqu'à ce qu'on voit qu'on arrive à le voir distinctement. Mais là à l'œil nu, c'est impossible de le discerner comparé à de la végétation ou un tronc d'arbre. Je vais arriver à 5 mètres, je vais pas le voir. Où est planqué? Ok, donc là, petit exercice, pour le coup, c'est le. Bah, c'est le chasseur qui doit. Enfin, la proie qui doit détecter le chasseur au dernier moment. Donc là, Victor, il est une position camouflée à une cinquantaine de mètres de notre position. Et donc, on va te guider jusqu'à lui, et il faut que tu le trouves le plus tôt possible. Et lui, il espère que tu le trouveras le plus tard possible. Donc, il est sur la gauche de la piste. Donc, si tu vois rien, après, on avance.
On avance d'une dizaine de mètres en dizaine de mètres à chaque fois. Donc là, 40 mètres. Sachant que lui te voit là. Oui. Enfin, tu vois, il peut. Si tu étais un cerf, il pourrait tirer dessus. Sachant que là, on sait qu'on cherche quelqu'un. Donc dans la mesure où tu saurais même pas qu'il y ait quelqu'un ici, et il n'est pas sous les feuilles, rien du tout. Hein. Il est juste position normale. Il n'y a rien qui est sur lui, il n'y a rien qui est. Donc là, on a fait la moitié de la distance. On est à une vingtaine de mètres de lui. Non, non, pas là, là, là c'est, tu vas trop loin. Ouais. Globalement, c'est à peu près là. Ouais. Il est face à toi. Là, t'es à 5-6 mètres de lui. Ah, ok, je vois. Oui. Oh putain, mais ça y est. Ouais, c'est les chaussures. Pas Victor. Les chaussures en trail. Donc c'est là où après, comme je dis, où l'équipement, on l'adapte en fonction de la distance de l'adversaire. Forcément, si le mec vient à 2-3 mètres de nous, ouais. Bah forcément, il faut qu'on ait tout qui soit camouflé parfaitement. Ouais. Là, dans ce but-là, on voit qu'on arrive quand même dans un sous-bois à arriver à moins de 10 mètres avant de pouvoir le détecter. Donc, et sachant que là, il a que les jambes qui... Et on savait qu'il y avait quelque chose. Vous saviez qu'il y avait quelque chose à chercher, donc quelque chose à trouver forcément. Et que bah, là il a tout le bas du corps qui est pas... En vrai il y aura un truc sur les... Jusque en mode de corps, t'aurais vu à quoi 2-3 mètres ouais, bah, je pense. Et en plus c'est vraiment mais juste derrière un truc. T'as et puis là c'est posé, donc ouais il y a juste 3-4 branches devant. Là si tu peux filmer là où est-ce qu'il était mis. Voilà, il y a juste 3-4 branches au milieu du lierre. Enfin je veux dire, on n'a pas mis en œuvre, on n'a pas optimisé l'environnement autour de... En plus t'avais mis des trucs sur moi. Si on lui rajoute 3-4 branches sur les jambes ou un truc comme ça, déjà on améliore encore sa cache. Et c'est là où on se rend compte que bah, quand on voit sa guilie, tout à l'heure quand elle était dans le champ ou en présentation, ça dénotait complètement par rapport à la couleur de l'herbe et par rapport à l'environnement. Alors qu'on voit qu'ici, mets-toi un peu dans l'ombre, parce que là t'es en plein solaire, vous voyez, dès qu'on est au soleil, il commence à révéler les couleurs. Par contre, dès qu'il se met dans l'ombre, il est quasiment dans la même teinte que l'environnement autour de lui. Donc du coup, mets-toi de dos. Là on voit que bah, vous voyez, c'est la même couleur que les arbres, c'est la même couleur que les arbres morts, etc. Donc ça se fond tout à fait dans l'environnement. Ça se fond bien, mais c'est parce que c'est toujours pareil, il faudra toujours organiser son camouflage, adapter son camouflage à l'environnement qui nous entoure. C'est pour ça qu'il n'y a aucun camouflage qui est parfait en soi, parce que bah, tout dépend dans le contexte dans lequel on l'utilise. Mais lui, quand il m'a planqué, il a reculé de 5 mètres, il a dit là je te vois, mais si je quitte des yeux et que je reviens, tu m'avais dit t'as du mal à me retrouver. Oui, parce que je sais où on t'a posé entre guillemets. Je l'ai mis là. Après là on pourrait faire la même chose mais avec la guillie sable pour montrer que bah, voilà, dès qu'on a un truc qui n'est pas adapté au contexte, bah, on fait des tronchées de suite. Donc là juste pour l'exemple, on a changé le camouflage de Victor pour une guillie sable. Donc ce qui normalement va détonner complètement avec l'environnement pour montrer que voilà, il faut vraiment adapter son camouflage à l'environnement dans lequel on évolue. Donc là il y a dit qu'il était à droite du chemin. Bon, je sais pas moi non plus où est-ce qu'il est. Ah, oui, vas-y, donc il faut chercher des choses caractéristiques d'un être humain ou d'un sanglier. Vu. Tu l'as vu ? Ouais. Mais tu vois comment il bouge à chaque fois ? Ouais. Le moindre mouvement d'aussi près, tu le détectes tout de suite. Ouais. Là où les limites des trucs à franges, là, des fois, ouais. C'est que tu vois, là, ça bouge alors que partout ailleurs, tout ce qui est de cette couleur-là, ça bouge pas. Ouais, bon, bah, c'est plus lui qui arrêtait pas de bouger la tête. Ouais. Mais bon, après, si tu sais que tu cherches personne, tu le trouveras pas non plus. Ouais, ça ouais. Toutes les feuilles qu'il y a au sol autour de toi, ça allait. Par contre, ce qu'on a vu tout de suite, c'est que tu as bougé la tête. Ah, j'ai bougé. On a vu faire ça, et paf, tout de suite ça a tiré les yeux. Ah, c'est le mouvement direct. Alors après, parce qu'on sait que t'es à droite de la piste et qu'on arrive globalement sur ta position, si on devait te chercher sur 300 mètres de long de part et d'autre, peut-être qu'on t'aurait pas vu. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'après on voit quand même que c'est pas le mieux là, le sable dans cet environnement-là. Après, en plein automne ou plein hiver, ça passera mieux parce qu'il y aura des feuilles mortes partout. Mmh. Et là, ça sera... Et peut-être un petit peu trop clair quand même. Ça sera un poil franchement, plus foncé. Ça choquait pas. Ah ouais, ça choquait pas, et à partir du moment où tu te mets un peu dans l'ombre, ça passe bien. Mais après voilà, le mouvement ça tue tout de suite. Quoi. Mais après c'est pas, comme je disais, c'est pas forcément par rapport au sol qu'il faut se baser, c'est par rapport au fond. Ouais. Parce qu'au niveau du sol ça va aller. Mais si derrière les bois sont bien verts ou bien bruns, bah, là par contre on va devoir de suite quoi. Parce que ça va faire et c'est ce qu'on a vu aussi parce que ça faisait un petit monticule. Parce qu'en fait moi je pensais que vous alliez arriver par le chemin. Donc je m'étais mis derrière le bout de bois. Ouais. Parce que vous êtes arrivé par en haut. Du coup je vous ai vu, j'ai dit, bah je suis pas caché. Parce que là, tout ce qui est de cette couleur-là, c'est au ras du sol. Il n'y a rien de volumineux de cette couleur, comparé au truc vert ou le lierre qui monte aux arbres, etc. Donc qui peut donner du vert jusqu'à certaines hauteurs. Là, tout ce qui est beige, c'est au ras du sol, donc il suffit qu'il soit un peu trop haut par rapport au sol, genre accroupi, allongé, mais le buste un peu relevé, on va détecter on va détecter une forme rapidement, on ne pourra pas dire si c'est un homme ou pas, mais par contre, c'est quelque chose qui va attirer l'œil. Il ne faut vraiment pas bouger d'un pète. Hein. Non.
Ah bah non, là, t'as vu, là, on, pourtant, on était plus loin, on était à une vingtaine de mètres. T'as juste la tête faire ça, paf, tout de suite. Cramé. Tout de suite, ça a cramé. Le sanglier se sauve. Ouais, mais si t'es en mise en place à plusieurs, oui, tu peux faire comme il y a plein de vidéos sur le net où les mecs, t'as une photo, trouve le type. Ouais, mais parce qu'ils étaient à deux ou trois, ils s'arrangeaient tout le matos. Ils l'ont enterré, le mec. Ouais, mais c'est facile de faire ça. Par contre, quand t'es toi tout seul, pour te camoufler, sans utiliser tout ce qu'il y a autour de toi, c'est vachement plus compliqué. Non, mais ça on faisait des exercices comme ça d'infiltration, là, où on avait un gilet jaune sur le dos. C'est pas vrai. Si. Mais parce que là, t'es obligé de. Ouais. Bah, du coup, tu regardes où est l'ennemi, et tu vois, par exemple, cet arbre-là. Il fallait mettre un max d'écran. Si l'ennemi, je le mets entre. Enfin, l'arbre, je le mets entre moi et le mec, bah, que, si je progresse comme ça, même si je suis en rouge fluo, tant que je suis caché par l'arbre, bah, on me voit pas. Alors après, ouais. C'est unidirectionnel, hein. C'est ouais. Forcément. S'il y a un autre mec qui est là-bas, voilà. Faut mettre des écrans. Par rapport à une personne dans laquelle tu veux te cacher et progresser face à elle, ou un gibier, ou une femme, peu importe. Bah, si tu progresses à un masque, après tu regardes vite fait où est-ce qu'il est. Dès qu'il tourne le dos, tu sautes à un endroit parce qu'il y a un arbre qui va te donner un angle sur, ouais. Enfin, qui sera en avant de ta position que tu pourras rejoindre en étant caché. Et tu fais des sauts de puce comme ça et tu arrives très près. Ouais, t'as un meilleur angle et tu progresses comme ça au fur et à mesure. Mais c'est juste parce que c'est comme si tu te mettais assis derrière ton 4x4 et que je progresse vers toi. Même si je suis habillé en n'importe quoi, ça change rien, ouais, tu me vois pas. Donc, Dans la nature, l'animal sauvage se camoufle. Saurez-vous le retrouver? Reste en bordure du chemin quand même, hein, parce qu'ils vont pas rentrer à fond dans le bois. Non, mais vas-y. Il y a quelque chose dedans, avec l'arbre. Mec, il y a largement quelque chose. C'est introuvable. Allez, je mute. Ok, donc là on a changé, on a mis la Ghillie 3D achetée sur AliExpress à 17 balles. Avec un camouflage type automne. Donc on va voir, là il y a certains endroits où ça peut s'y prêter, on va voir si on arrive à le trouver rapidement. Au bord du gros arbre, non ? À gauche du gros arbre. Ouais, c'est très possible. On va y vérifier. Alors on voit parce que le camouflage du coup il est un peu plus clair que l'environnement. Vous avez du mal à me trouver ou pas ? Non, ça se voyait beaucoup. Bah du coup, c'est lui qui t'a trouvé en premier, moi je regardais ailleurs. J'ai seulement dit à droite, et après ils sont débrouillés. Oui, il avait triché. Et non, c'est que c'est plus clair. Et surtout un gros monticule juste à côté d'un arbre comme ça, c'est pas... Bah parce que généralement les arbres ça fait des grosses lignes droites, verticales. Et si on met des choses au pied des arbres, alors entre deux arbres ça passe, comme ici par exemple. Okay. Tu te serais mis à l'arrière de ça, en regardant au travers, ça serait beaucoup mieux passé que derrière un gros arbre où il n'y a rien autour et où on vient poser quelque chose. J'ai pensé à ça aussi, je me suis dit il aurait été mieux derrière les monticules de petite merde. Là, ça tu peux même le filmer si tu veux, hein. On peut faire une prise là où tu es juste allongé là et où tu es allongé là, donc un mètre à côté. Et tu verras que si on se met là-bas, et là mets-toi 1m50 en avant là derrière la petite touffe d'arbre qu'il y a. Là il est invisible. Ah oui, bah, là ça passe 10 fois mieux. Parce que du coup, on n'a pas. Il n'y a pas ce côté rupture de la géométrie par rapport aux arbres, où du coup l'arbre qui est bien droit, bah, il n'y a pas une grosse boule qui est en bas à côté. Et là le fait d'être dissimulé derrière plusieurs petits fait que ça casse cette forme-là. Comme on parlait de la forme quand on faisait le faux mec blotte, là, bah, là typiquement. À chaque fois, de toute façon, quand on cherche quelque chose, on cherche les arbres, on cherche les trouées, etc. Et à l'intérieur de ça, on cherche toujours quelque chose, une lunette, un trépied, enfin un bipied, un trépied aussi, ou une tête qui va être à côté de ces points particuliers-là. Okay. Et généralement, à chaque fois que les mecs ils se mettent au pied d'un arbre relativement gros ou pas, mais qui n'est pas dissimulé derrière un petit bosquet d'arbres, tu te fais retapisser. C'est vrai que nous, on s'est dit, on va prendre le plus gros arbre parce que c'est le plus... C'est le plus camouflé, c'est sûr que tu te fais baiser, parce qu'en plus c'est ce qui t'attire l'œil en premier. Quand tu souffles, tu regardes les gros arbres, parce que ça t'attire l'œil tout de suite. Et c'est là que tu vas aller chercher les trucs. Là, au même titre que je regarde les trucs, j'aurais fait des marches arrière, parce qu'il y avait le terrain, des fois qui faisait des petites bosses comme ça, et il y avait des trucs pas normaux. Enfin, ça cassait après le côté. Okay, on sort à mesure, on en apprend pour le camouflage ultime. Ouais. Tu te mettais par exemple ici là, allongé au ras du sol et derrière cette merde, bah, tu vois, on galérerait à te trouver. Essaye de te mettre là pour voir. Et parallèle à la route. Après là, et avance un peu. Avance de 50 cm. Et là tu t'aplatis vraiment. Bah là, à part la tête qui ressort. Ouais, la tête elle est ronde dans l'ensemble. À part la tête, tu vois que dalle. Ouais. Enfin pas grand chose. Ah non, c'est clair, là tu vois pas. Et pourtant tu vas passer sur la piste. Là tu mets quelqu'un qui cherche personne, tu le trouveras jamais. À la caméra je le vois même pas. Tu trouves ben là, là si caméra, tu veux le décaler un peu, décale-toi ici, tu verras la forme de la tête. Ah oui ouais, d'accord.
Et qu'on arrive là, on voit la tête. Ouais, parce que ça fait là, du coup, c'est la couleur du camouflage qui va pas, mais là, tu rajoutes un petit peu de vert où il se met un peu de lierre sur la tête. Ouais. Bah, tu le vois pas, c'est certain. Et un truc comme ça. Là, tu. Mais là, c'est. Je suis. Là, si tu sais pas que tu cherches quelqu'un, c'est mort. Et encore parce que ça fait une petite boule au niveau de la tête. Mais là, tu vois, il est à 3 mètres de la piste. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Donc là, tu passes en faisant ton footing ou tu passes en n'importe, tu le vois pas. Le seul truc qui fait que tu pourras le niquer, là encore ça, c'est à partir d'ici parce que tu vois les pieds si vraiment tu regardes le bord. C'est ça. Voilà, bon, on est à 3 mètres. Hein. Donc forcément, si tu fais un truc dans un découvert où tu es à. Enfin, même pour la chasse à l'arc ou ce que tu veux, hein, là, une 10-15 mètres, si tu bouges pas, et t'es largement dans la distance d'emploi. Un des trucs les plus importants aussi, c'est vraiment de s'aplatir au max, quoi. Et c'est le problème, quand tu veux voir, t'es obligé de relever la tête, et ça rajoute du relief, c'est emmerdant. C'est ça. Celui-là, il marche fort. Hein. Oui, après, et puis parce qu'il est de. Après, t'en as qui sont plus verts que ça. Ouais. Donc ça passerait là, mieux. Là, ça marche vraiment bien. Avec la mousse dessus, mec, c'est incroyable. Ça fait tout de suite encore plus. Mais parce qu'on arrivait par cet angle-là. Si après, à mesure que tu vas avancer, si tu ouvres les angles sur la droite, ouais. Bah là, tu vas voir plus de longueur, tu vois les choses. Il faut adapter le camouflage à l'angle dans lequel tu veux te camoufler. Bah, par là où tu penses que la cible va arriver. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste comme camouflage? Après, on va faire un camouflage ultime. Là, il y a plus que la chèche. Ah, ouais, juste au minimal, quoi. Bah pour montrer qu'avec juste un petit. Un petit tissu, ça le fait quoi. Un petit tissu, tu peux déjà faire du boulot. Mais là, après, ce genre de choses là, ça peut être aussi juste je m'allonge et j'ai ça sur ma gueule avec un chapeau de brousse. Tu vois, déjà là, la forme de la tête, on la retrouve moins. Ça cache bien, ouais. On la retrouve moins. C'est pour ça qu'après, un chapeau de brousse, ouais, c'est un chapeau, mais ça sert aussi à casser les formes. C'est pour ça qu'il n'y a pas le chapeau là, besoin. Après, c'est toujours pareil. Il vaut mieux se foutre au pied de certains bosquets d'arbres où tu seras vachement plus camouflé. Si on se met derrière ça, c'est pas mal là. Par exemple, ça là. Ça déjà rien qu'en faisant ça. Voilà, sachant que voilà, ça c'est vraiment une protection entre guillemets visuelle unidirectionnelle, parce que c'est tout petit. Donc forcément il faut que le gibier arrive face à vous et pas par le côté ou par l'arrière, quoi, parce que sinon forcément on va être détecté. Donc là juste une petite chèche, bah, c'est juste posé. Alors là qui est à gauche de la piste, c'est juste le minimum technique. Pour pouvoir se cacher, juste un morceau de tissu, mais on va voir que déjà juste en optimisant un peu on peut faire des choses tout à fait correctes. Donc bah, il est sur la gauche de la piste, il faut que tu arrives à le trouver, il est pas très loin de. Par rapport à la piste, il doit être 5 mètres max à gauche. Ouais. Je sais plus où il est. Ouais, là il te voit. Ouais. Donc là parce qu'après à mesure qu'on avance on ouvre les angles, donc forcément on va voir le reste de la partie du corps. Mais que dans une première approche de face, bah, on le voit absolument pas. Toi tu le vois Victor? Ah, il avait pas levé la tête. Donc là, c'est vraiment la guilie la plus couvrante, entre guillemets, celle lourde, qui camoufle le mieux, mais c'est celle qui est la plus contraignante à mettre en œuvre et à utiliser. Donc là, on va pas progresser avec longtemps parce que c'est pas le but. Là, c'est juste de travailler, de montrer des exemples de camouflage en fonction de l'environnement. Et puis, on va voir s'il le trouve et en combien de temps. Hop. Zou, bah voilà, on ne te voit plus, on bouge plus. Là, parce que la texture est pas ouf par rapport au reste. Mais mets-toi à genoux, par exemple, et légèrement décalé vers la droite. Voilà. Bah, là, je te défie de passer à pied et de le remarquer si tu t'y attends pas. Et pourtant, il va être à 1 mètre de toi, quoi. Ah ouais, c'est ça, tu te bloques dans la forêt, tout le randonneur, paf. Tous les premiers mètres, tous les ans, on ira au muguet. On va se foutre dans la forêt. Dans la direction de l'endroit, là. Ouais. Là, tu fais une vingtaine de mètres, tu te mets derrière le bosquet. Il y a un petit bosquet là-bas, ouais. Ouais, voilà. Okay, ça marche. 20-25 mètres. Et essaye de rester assez haut, c'est sur les genoux, par exemple. Ouais. D'avoir une silhouette assez imposante. Là, tu vois, il a fait 3 mètres, il est déjà accroché dans les arbres. Je suis coincé. Donc voilà le mythe de la progression en guilie, ouais. Ça n'existe pas. Je vais me mute le micro parce que je prends plus après. Et il a fait 1 mètre en sortant de la piste, il s'est accroché déjà à la première branche qu'il y avait. Et pourtant c'est pas un gros truc. Au matos, c'est impossible. Donc là alors qu'on sait très bien qu'il est dans le coin, quoi. Donc là on a une attention particulière comme sur tout ce qui nous entoure. Ouais. Et on voit que là on n'arrive pas du tout à le voir. Oui. Et là si t'es pas sûr de toi, c'est que c'est pas flagrant. Ouais. Eh mec, j'étais debout comme ça, je te voyais passer. Et tu me disais non je vois pas. J'étais juste là, debout. Après, on a vraiment fait une position grossière, donc vraiment debout, sans chercher particulièrement à se camoufler. Et bon, on voit que tu l'as trouvé quand tu es arrivé plus loin que ces 90 degrés, ouais. Et quand du coup il était plus complètement caché des masques qu'il avait choisi. Mais là pour le coup, après, parce qu'après là, t'étais là. Hein, ouais. Parce que là il dépassait. Donc il se serait mis. Non, je me suis vraiment collé à l'arbre. Plus là. Je me suis collé à l'arbre, j'ai foutu mes mains derrière l'arbre. Ouais. Faut qu'on les voit. J'étais comme ça, je regardais sur le côté. Et bien là, en fait, là, même en voyant le mec avancer, il aurait fait juste des petits pas, tout juste comme ça, ouais. En se décalant petit à petit. Je voulais pas bouger. Bah du coup, là, il aurait de nouveau été derrière le masque de l'arbre,
et toi niqué. Après, à mesure que le mec il avance, tac, tout doucement, sans faire des gestes brusques, en fait, c'est des tout petits pas, et ben on arrive à contourner. Celle-là, elle marche fort. Hein. Donc là, on a fait une position ultra facile et pas camouflée plus que ça en étant debout. Et là, on va faire alors, un peu plus près de la piste. Mais du coup, essayer de faire un maximum de maximum d'efficacité. Non, mais là, tu vois, c'est tout con, mais roule-toi ici, là. Et tu vois, tu vas voir des feuilles qui vont en frottant un peu, là, comme un sanglier. Bah, là, déjà, tu rajoutes, entre guillemets, ce qu'on appelle du camouflage naturel et d'opportunité, parce que c'est celui qui se trouve au sol ici. Et là, du coup, rien que là, tu vois, on rajoute de l'environnement sur le mec en faisant rien du tout, quoi. C'est juste en se roulant par terre. Donc faut pas hésiter à le faire, il y a des petites branches qui se mettent dedans. Mais après c'est toujours pareil, voilà, on peut pas progresser avec parce que Mais ça c'est même pas tu progresses pas avec, c'est quand t'as un poste d'observation ou un truc, tu te cales à un endroit, tu la mets et puis t'attends quoi. Ouais ouais. Ah là, il y a du verre. Être dans les buissons là-bas, vraiment dans les ronces et tout. Là-bas au fond, là on sera bien. Tu vois le gros arbre qui est en plein milieu, tu vois genre 2 mètres à gauche, 2-3 mètres dans à gauche, en plein dans le truc. Tu me remets des trucs par-dessus ou pas? Voir, tu vas bien te frotter au sol, je pense que déjà ça suffira bien. Avance encore un petit peu si tu peux et plie les jambes le mieux que tu peux. Bon, après être invisible c'est impossible si t'es pas enterré. Mais déjà il y a moyen de faire des trucs propres. Sachant que là on le fait en 30 secondes. Si tu t'appliques un peu et que tu fais ça avec goût entre guillemets. Non mais rien que là déjà. Et là, tout droit, il faut que tu le trouves. Touche-ousse dans la forêt. Alors de là, tu le verras pas, c'est impossible. Donc là en fait tu confirmes que c'est Victor quand t'es à 4 mètres de lui quoi. Dans le doute je touchais avec le pied. Franchement 5 mètres de lui j'étais pas encore sûr. Ah bah après ouais, ce que tu as déjà vu, ça fait plusieurs exercices qu'on fait où tu cherches un mec donc tu sais un peu quelle forme regarder. Ouais. Donc forcément ton œil il s'est un peu aiguisé aussi. Par contre faut prendre une position ultra confort parce que si tu veux pas bouger d'un pet, faut vraiment être bien. Et je suis comme un bœuf aussi. C'est super chaud. Alors que t'as vu, t'es posé par terre dans le bois, tu bouges pas. Il fait 12 degrés, ouais. Et en faisant rien. Donc t'imagines là si tu dois crapahuter avec ça. 35 degrés c'est impossible. Et t'as pas de matos, t'as pas ton arme, t'as rien du tout. Ouais. C'est pas gerbe. Tu m'as vraiment trouvé à combien de mètres? Ben en vrai je t'ai vu que. Ben, j'ai vu un petit monticule qui m'a attiré l'œil il y a je sais pas 10-15 mètres. Ouais. Moi hein, t'étais là. Non ouais en vrai j'avais déjà repéré un petit monticule un peu plus loin. Mais jamais j'aurais pensé que c'était toi, tu vois. Même à 5 mètres, je pensais encore que c'était un tronc d'arbre qui était à moitié décomposé. Je suis un tronc d'arbre décomposé, en réalité. Et comme je dis, parce qu'en plus son œil commence à s'aiguiser un peu parce qu'on a fait plusieurs exercices de recherche. Tu sais ce que tu cherches aussi. T'as vu la guilie avant. Il connaît la guilie, il connaît tout ça. Si on change d'endroit, on lui donne pas la guilie que t'as et compagnie. Et puis, c'est pas dans où je suis, dans la forêt. Ouais. Ah, c'est plus bizarre. Complètement. Ouais. Ah yes, c'est des ronces. Yes. Ah bah vas-y, tu peux essayer. Mais là, oui, clairement, là en plus, s'il se met là-dedans, tu le trouveras d'autant moins. Déjà parce que tu le verras pas, et puis quelqu'un qui va arriver là, oh putain, des ronces et tout. Et encore là, il est dans une tache ensoleillée, il recule d'un mètre vingt, il est à l'ombre, ça se passe encore mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder où est-ce que c'est éclairé, où est-ce que c'est plus à l'ombre. Et là, on voit la diff. Rien que là, tu peux filmer. Est-ce que tu peux te mettre après, une fois qu'il a fini, Clément, là, te mettre juste 1m20 derrière où tu es à l'ombre. Rien qu'ici, si tu te mets en boule, voilà, parce qu'après le feuillage est tourné, t'as vu, donc ça attire l'œil tout de suite. Mais rien que là, tu vois, déjà, il est un peu plus à l'ombre. Bah là, pour le trouver, mon gars. En vrai, par contre, une fois que t'es dedans, t'es dedans pour toute ta vie. Parce que t'es coincé. Je vais vieillir ici. J'ai plus de pantalon, je l'ai perdu quelque part par là. Putain de merde. Ça, tu pourras bien insister dessus dans la vidéo, là. Le progresser en guilly, c'est impossible, c'est de la merde. Ah non, mais j'arrête pas de le dire, c'est de la merde. Je peux même pas l'enlever. Là, tu dois te barrer, c'est t'en as pour 2 heures. Ah bah non, tu laisses la guilly sur place. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu laisses des traces et t'es niqué. Par contre, tu vois, là, effectivement, on est bien caché dans les ronces, mais quand tu regardes là où est-ce qu'il est passé, là, tu dis, c'est pas possible, il y a un troupeau de sangliers qui est passé, il y a un mec.
Mec, clap. Ah, clap, connard, il y a le son qui passe sur la caméra. Bon bah les gars, fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Merci beaucoup pour les infos. C'était vraiment intéressant, j'espère que ça a intéressé tout le monde. Et on se dit à la prochaine.